Bonjour, je m'appelle Jenny et nous sommes à Columbus Circle à Manhattan, à New York. La manif vient juste de commencer à avancer. À New York, il y a une quarantaine de manifestations en même temps, en simultané. C'était pareil hier. Et hier, je voulais trouver une manif, mais il y en avait tellement que dès que j'arrivais à un endroit, elle était déjà partie et j'ai pas pu faire d'image. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu de la chance. La raison pour laquelle j'ai pas pu en trouver hier, c'est parce que les manifs, elles sont sauvages entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles donnent pas leur itinéraire et il est difficile pour c'est fait exprès pour que la police ne les retrouve pas facilement. Et si la police n'arrive pas trop à les trouver. Pour les civils comme moi, c'est difficile aussi de les trouver. Donc je répète, il y a à peu près 40 manifs en même temps à New York. What do we want? Justice. Yes. Donc le mouvement persiste et continue et ne s'affaiblit pas. Il y a quelques semaines de ça, on était. Quand ça a commencé, il y a 3 semaines, il y avait une ou deux manifs en même temps. C'est passé à une dizaine, à une vingtaine, et maintenant une quarantaine. How do you spell murderer, NYPD? How do you spell racist, NYPD? C'est-à-dire, comment vous appelez meurtrier, la police de New York? Comment vous appelez raciste, la police de New York? Là, it is no cops, no KKK, no racist USA. Ils disent pas de police, pas de Ku Klux Klan et pas de... Pas de USA raciste. En ce qui concerne le COVID-19, hier, on a recensé 32 morts, aujourd'hui on en a recensé 23, en sachant que il y a quelques semaines de ça, on en recensait 400 par jour. On est passé sous la barrière des 100 il y a à peu près 2 ou 3 semaines. L'État de New York est le seul État à New York, des États-Unis, où les cas de COVID-19 ne reprennent pas, n'augmentent pas. Ils descendent et ils restent stables. Tous les États qui ont réouvert ont vu une résurgence des cas de COVID-19. Say her name, Breonna Taylor. Dites son nom, Breonna Taylor. C'est la jeune ambulancière qui s'est fait tuer chez elle, elle était chez elle et les policiers ont tiré comme des cowboys depuis l'extérieur. Et elle s'est reçue 8 balles dans le corps. Say his name, George Floyd. Dites son nom, George Floyd.
59e rue, c'est là où on était, à Columbus, Columbus Circle. Et c'est le début de Central Park, c'est le sud de Central Park. C'est à peu près la moitié, c'est pas vraiment la moitié, mais c'est la partie, c'est là où commence le Manhattan traditionnel, entre guillemets, le Manhattan touristique. Et là, on est en train d'aller vers le sud de Manhattan. No, there's no looting again. Je sais pas quel imbécile a dit ça. Personne n'est en train de casser. Et si les gens ont envie de casser, ben je les comprends. Mais là, il n'y a pas de casse. Les gens ne s'arrêtent pas parce qu'il y a encore eu plusieurs morts cette semaine et la semaine passée, aux mains de la police, un homme qui était en état d'ébriété mais très calme. Vous voyez, il y a deux types de personnes saoules. Il y a les personnes vraiment énervées et il y a les personnes calmes, un peu drôles. Lui, c'était le deuxième cas, calme, un peu drôle. Il a proposé plusieurs options à la police. Il a proposé de marcher, de rentrer un taxi, de juste garer sa voiture et de rentrer chez lui tranquille sans prendre sa voiture. La police n'a pas voulu lui offrir d'autres de solutions, il voulait juste l'arrêter. Ça s'est mal passé et ils l'ont tué. Je voulais aussi vous informer des différentes lois qui ont été votées grâce au gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Il a voté pour que la police n'ait plus droit. Pour que la police n'ait plus droit à l'étranglement des civils. Il a aussi voté pour que toute personne donnant des coups de fil au 911, c'est-à-dire à la police, aux urgences, à la police, et que si ces appels sont faits sur la base du racisme, les personnes qui font ces coups de fil infondés, par exemple, je sais pas, il y a un noir dans ma rue, il y a un noir sur un vélo, ou il y a un noir qui sort d'un immeuble et moi je le reconnais pas, je sais pas si c'est mon voisin, il a l'air dangereux, etc., etc. Ces personnes, maintenant, vont officiellement être jugées pour leurs actes. Parce qu'elles font perdre du temps, de l'argent, et elles font perdre des vies à l'État de New York. Il y a eu aussi des cas de rétaliation, je ne sais pas si ça se dit en français, de revanche de la part de... à l'encontre des Noirs, notamment en Californie, où il y a eu deux hommes noirs qui ont été retrouvés pendus en Californie au cours de la même nuit. Parce que la police de Louisville, donc la police responsable du meurtre de Breonna Taylor, a rendu leur rapport de police qui ne faisait que 4 pages. Et rappelez-vous que Breonna Taylor s'est fait tirer dessus 8 fois, donc 8 balles
venant de la police. Et sur le rapport, il y a écrit que Breonna Taylor n'a pas été blessée. Elle a eu aucune blessure. Et ils ont mis un mois à rendre le rapport. Et même si tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, même si les gens manifestent, même si les gens ont des preuves que c'est la police qui a tué Breonna Taylor, bah les flics se protègent entre eux et continuent de rendre des rapports mensongers et à dire que non, elle a eu aucune blessure et sa mort est inexplicable. Life matter, Black Lives Matter. Ce qui veut dire quelle vie compte, qui sont les vies qui comptent, quelles sont les vies qui comptent? Celles des Noirs. Black Lives Matter. 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 Donc on arrive à Times Square. What do we want? Justice? When do we want it? Now? If you don't get it, shut it down. Shut it down! Shut it down! Donc il disait, qu'est-ce que nous voulons de la justice? Quand la voulons-nous maintenant? Si on ne l'obtient pas, qu'est-ce qu'on fait? On la massacre. Marche vite, c'est pour éviter d'être encerclé par la police. Plus on marche vite, moins la marche s'étend et se disperse. En restant concentré, au moins on peut bouger rapidement dans les rues d'à côté et éviter la police ou rendre la chose plus difficile pour eux. Non, le couvre-feu n'a duré que 3 ou 4 jours parce que les manifestations de toute façon ne sont pas contrôlables, il y en a trop en même temps et les gens ne respectaient pas le couvre-feu de toute manière, que ce soit les manifestants ou les New-Yorkais de base quoi. Donc personne ne respectait le couvre-feu et puis les gens ont arrêté un peu de casser. Je pense qu'il y a encore de la casse. Mais moins qu'au début. Hugh Donald, ça veut dire Burke Donald. Richard Brooks.